Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues de l'Assemblée Polynésie française, ainsi que le public, ainsi que les membres de la presse, je voudrais vous adresser aux uns et aux autres, mes salutations les plus sincères. Nous allons reprendre donc la séance que nous avons suspendue il y a quelques jours de cela et poursuivre l'ordre du jour qui est le nôtre. Et nous allons aborder l'élection des membres de la commission permanente. Pour ce faire, je vais demander au secrétaire général de donner lecture des dispositions relatives à l'élection des membres de la commission permanente. Merci. Monsieur le Président, l'article 127 du statut prévoit que l'Assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission permanente à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne. La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel. Le règlement intérieur détermine les conditions de fonctionnement de la commission permanente. Alors, l'article 47 du règlement intérieur relatif à la formation de la commission permanente précise que la commission permanente est composée de 21 membres. Ces derniers sont désignés par les groupes constitués qui disposent chacun d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique rapportée au nombre de représentants appartenant au groupe considéré. Les sièges non pourvus après cette répartition sont attribués selon les règles de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé. Toutefois, si un groupe constitué ne désigne pas de candidat, les sièges qu'il a vocation à pourvoir sont répartis entre les autres groupes constitués proportionnellement à leur importance numérique rapportée au nombre total des représentants appartenant à la formation de la commission permanente. La liste de noms ainsi établie est soumise à l'Assemblée, qui se prononce par un vote à main levée, sauf si elle en décide autrement par application des articles 43 et 44 du présent règlement intérieur. La majorité absolue des membres présents représentés est requise au premier tour de scrutin. En cas de deuxième tour, la majorité relative des membres présents représentés suffit. Alors, dès sa formation ou son renouvellement, la commission permanente élit son président, son vice-président, son secrétaire. La présidence de la commission permanente ne peut être cumulée avec celle de l'Assemblée ni celle d'une commission législative. Enfin, sur le renouvellement, l'article 48 du règlement intérieur prévoit que la commission permanente est renouvelée chaque année, au plus tard, au cours de la séance qui suit celle où il a été procédé au renouvellement du bureau de l'Assemblée. Voilà, Monsieur le Président. Bien, merci, Madame la Secrétaire générale. Alors, selon la règle de la représentation proportionnelle et en fonction du rapport de force nouveau de ce matin, la répartition des sièges entre les deux groupes constitués est la suivante. 12 sièges reviennent au groupe UPLD, 9 au groupe Tahuera Huila-Adira. Je vais donc suspendre la séance pour permettre la constitution de la liste des candidats aux fonctions de membres de la commission permanente. Je suspends la séance. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Juste une question avant que vous ne suspendiez la séance. Oui, Monsieur Bissou. Juste une question. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants. Monsieur le Président, hier, on nous annonce des démissions au sein du gouvernement, des ministres qui doivent réintégrer leur fonction de représentants ici dans cet hémicycle. On nous annonce même des représentants à l'Assemblée devenant ministres. Je crois qu'on n'y comprend absolument plus rien sur ces questions d'arithmétique. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire si tous les membres ici sont réellement les représentants pouvant voter et constituer les commissions en question? Merci. Bien. Je vous remercie de votre question qui est tout à fait pertinente, effectivement. Alors, nous avons reçu un certain nombre de démissions. Bon, tout d'abord, il a été pris acte de la réintégration donc, de M. Émile Vernodon au sein de l'hémicycle. Ensuite, concernant M. Williams Wangshu, donc, il a été également pris acte du départ de celui-ci de l'hémicycle, enfin de l'Assemblée. Par la suite,
un certain nombre. Alors, effectivement, nous avons reçu aussi un arrêté de la présidence du pays qui met fin aux fonctions de Mme Natacha Taurua au sein du gouvernement. S'agissant également de l'arrêté 1071-PR du 19 avril 2006, qui avait mis fin aux fonctions de messieurs Jacques Drolet, James Salmon, Gilles Tefatou, Georges Anderson, Jean-Marius Rapoto, Louis Frébeau et Mme Natacha Taurua, cet arrêté a été rapporté. Voilà donc, et puis bon, nous avons bien évidemment reçu un certain nombre de démissions de certains groupes, hein, certains groupes qui avaient été constitués. Est-ce que vous souhaitez que je vous fasse part également de ces démissions? Alors, nous avons reçu les démissions de M. Teina Mareura, M. Michel Yip, M. Jean-Alain Frébeau, qui ont donc déclaré démissionner du groupe Rima Ohupa à compter du 18 avril, mais en tout cas, nous l'avons reçu à l'Assemblée le 19 avril dernier. Le même jour, messieurs Mareura Teina, Yip Michel, Frébeau Jean-Alain ont déclaré adhérer au groupe UPLD. Voilà. Bien. Donc, je pense que toutes les informations ont été données. Je suspends donc la séance pour constituer les listes. Je vous remercie. Bien, chers collègues, la séance est reprise. En accord avec les deux présidents de groupe, UPLD et Tahuera Huira Tira, et compte tenu de cet événement douloureux qui vient de frapper la classe politique tout entière à travers la disparition de notre regretté Alexis Vera-Roy, je vais donc prononcer la suspension de la séance pour que les uns et les autres nous puissions nous rendre auprès de la dépouille d'Alexis, assister à la cérémonie d'enterrement, et je vous proposerai que nous reprenions notre séance à 15 heures. On est d'accord? Je vous remercie. Donc la séance est suspendue. Je vous remercie. Bien, la séance est reprise. Désolé pour le retard. N'ayant pas pu aboutir à la constitution d'une liste consensuelle, je vais donc demander au secrétaire général de donner lecture des deux listes établies pour la formation de la commission permanente de notre Assemblée. Monsieur le Président, pour la liste présentée par l'UPLD, nous avons les candidatures de Mme Véronique Mouévey-Amo, M. Anthony Géros, Mme Sabrina Birk, Mme Juliana Mati, Mme Amaron Naya Teripaya, M. Jacques Ibrion, M. Myron Matawa, M. André Pihate, M. Roberto Teriteheu, Mme Linda Taharagi, M. Ruben Teremate, Mme Tamara Bob-Dupont, M. Jean-Michel Calson, Mme Catherine Tuchot-Billard, M. Temori Foster, Mme Stella Rochette, Mme Chantal Tahiata, Mme Marise Olivier, Mme Auxilia Bouzi-Hairaroua, M. Raymond Mombastoulev et enfin Mme Danielle Persigal. Pour la deuxième liste présentée par le groupe Tahuera Huira Tira, nous avons reçu les candidatures de Mme Pascal Haïti, Mme Teura Iriti, M. René Kohumoutini, Mme Armel Merceron, M. Thomas Moutam, Mme Sylviane Teruatea, Mme Lana Titonui, M. Noa Titonui, M. Hiruhiti Tefariri, M. Bruno Sandras, Mme Romance Flore, M. Edouard Fritsch, M. Marcelin Lison, Mme Emma Mareya, Mme Eleanor Parker, Mme Monique Richton, M. Frédéric Rivetta, Mme Lissette Aero, Mme Juliette Ahuatama, M. Howard Veraroy et enfin M. Gaston Thompson. Bien, merci Madame la Secrétaire Générale. Nous allons donc passer au vote. Celui-ci, Monsieur Jacques Brion, c'est un rappel au règlement ou bien... C'est un rappel au règlement. Quel est l'article 127. Au statut, pardon, excusez-moi. Bien. Monsieur Jacques Brion, je vous écoute. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, bonjour. Monsieur le Président, je voudrais intervenir pour vous faire part de la préoccupation du groupe de l'UPLD. D'une part, nous aurions
pu rapidement exécuter cette élection dès jeudi dernier et nous étions intervenus pour signifier ces reports à répétition qui, en fin de compte, nous avons l'impression que c'est beaucoup plus et à la démonstration de la suspension, de la longue suspension d'aujourd'hui, c'était des tractations qui n'avaient rien à voir avec une volonté véritable de faire adopter les membres qui doivent composer la liste, qui doivent composer, excusez-moi, la commission permanente. Sur la lecture qui vient d'être donnée et les feuilles, M. Hirote Farere se trouve en position éligible compte tenu de la répartition à laquelle vous avez expliqué ce matin. Proportionnellement, le groupe UPLD aurait 12 sièges et le groupe Tahoeira 9 sièges. Je voudrais vous donner et rappeler lecture de cet article 127 qui dit que l'Assemblée de Polynésie française, chaque année en son sein, la commission permanente a la représentation proportionnelle des groupes. Jusqu'à preuve du contraire, à moins que vous fassiez la démonstration que M. Hirote Farere soit membre du groupe Tahoeira, nous nous inquiétons et nous nous interrogeons sur la légalité de la procédure. Donc, vous conviendrez qu'il nous était absolument nécessaire de clarifier notre position sur cette liste. Si d'aventure nous étions et nous arrivions à faire l'adoption de cette liste avec une représentation proportionnelle du Tahoeira, nous serions amenés, dans ces conditions, à reposer la question de la légitimité, compte tenu de l'article que je viens de lire, de M. Hirote Farere, tant qu'il n'appartient pas au groupe du Tahoeira. Donc c'était l'objet de mon intervention. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur Jacques Brion, merci. Monsieur, non pas Floss, mais Monsieur Fritsch. Allez-y, Monsieur Fritsch. Monsieur le Président, merci. Je voudrais remercier Monsieur Brion pour son intervention brillante. Parce que réellement, c'est cela qui nous a fait perdre du temps aujourd'hui. C'est la mauvaise volonté du groupe UPLD de pouvoir laisser le Tahoeira Huiratira choisir ses représentants ou des représentants au nom de son groupe, comme le prévoit l'article 47. Je veux demander à M. Brion, mais qu'est-ce qu'il a après M. Hirote Farere? Qu'est-ce que Hirote Farere lui a fait pour nous faire perdre autant de temps aujourd'hui? Ça a été le point d'achoppement depuis ce matin et on a mobilisé 57 bonhommes à cause de cela. À cause de cet esprit que vous avez, de cet esprit de vengeance, de vouloir à tout prix descendre des hommes. C'est ça qui a provoqué le problème que nous essayons de résoudre aujourd'hui. Ce sera une des premières fois où dans cette Assemblée nous allons être obligés de voter pour un scrutin de liste avec 21 personnes sur ce scrutin, alors que l'on sait que les résultats seront une distribution des places dans la commission permanente à 12 et 9. Mais à cause de cette idiotie, parce que je ne vois pas comment on peut le qualifier autrement, on est obligé aujourd'hui de voter pour deux scrutins de liste. Alors, vous pouvez citer tous les règlements, tous les articles du règlement intérieur ou du statut, vous ne trouverez nulle part un article ou un paragraphe qui fait obligation à un groupe politique de présenter des représentants de son groupe politique au sein des commissions où il doit être représenté. Nous avons fait le tour de la question. Si vous voulez retarder les choses, faites comme vous faites aujourd'hui et on n'avancera pas. Alors, je ne sais pas si c'est parce que le président est nouvellement élu, parce que c'est nous qui avons élu ce président, mais aujourd'hui, vous réussissez ce que vous voulez, à savoir retarder les travaux dans cette Assemblée. Merci. Bien, merci Monsieur Fritsch, Monsieur Brion. Oui, je voudrais remercier l'intervention qui vient d'être faite. Les transactions qui ont eu lieu pour intégrer M. Hirote Farere au sein de la liste du Tahoeira ne peut être sortie qu'à la condition qu'il déclare clairement son appartenance au groupe Tahoeira et le problème sera définitivement résolu. Tout comme M. Noir a adhéré officiellement au Tahoeira, le problème ne se pose pas. Donc de ce fait, respectez s'il vous plaît, les s'il vous plaît, un peu de rester, s'il vous plaît, laissez finir l'intervenant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous laisserai intervenir, M. Tétouanoui, après, s'il vous plaît. Hein.
poursuivez. La clarté des discussions aujourd'hui repose sur le fait si oui ou non M. Hirote Farere a adhéré au Tahawera. Dès lors que cette réponse sera faite, la lecture de tous les articles, et je le conçois, sera définitivement terminée. Nous saurons avec qui nous allons composer cette commission permanente. C'était la seule interrogation que je souhaitais faire. Bien. Merci, M. Briand. M. Noah Tetouanoui. Merci, M. le Président, les amis Yorana. Monsieur Jacky Briand, vous avez vraiment la haine. La haine, le mépris. Et vous nous donnez des leçons. Je n'ai pas de leçons à recevoir de votre part. Vous n'êtes pas un élu légitime. Vous avez été élu par le Tawinuhi Latira. Remerciez le Tawinuhi Latira. Parce que vous, remerciez le Tawinuhi Latira. Monsieur le Président, on va pas rester sur ce sujet-là, Monsieur le Président, mais que Monsieur Jacky Briand nous donne l'article qui précise que, Naïta, lisez l'article 127, précisez que le représentant que le groupe Tahawera va désigner est normalement inscrit dans ce groupe-là. Donnez-nous des précisions. Bien, merci M. Noah Tetouanoui. Madame Armelle Mercero. Mais je vais laisser ma parole à mon président de groupe. M. Fritz. M. le Président, je voudrais simplement préciser ici que M. Hirote Farere n'est pas au groupe Tahawera Huiratira. M. Hirote Farere est inscrit chez les non-inscrits et M. Hirote Farere a toute liberté d'agir comme il l'entend. Nous avons proposé de mettre un non-inscrit sur les places disponibles du Tahawera Huiratira, comme le précise le troisième paragraphe de l'article 47 du règlement intérieur, et je le cite. Ces derniers, les membres de la commission permanente, sont désignés par les groupes constitués. Sont désignés par les groupes constitués qui disposent chacun d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique rapportée au nombre de représentants appartenant au groupe considéré. Il est nulle part fait interdiction aux membres, au président du groupe, d'un groupe politique à l'Assemblée, d'y mettre quelqu'un de son groupe. Monsieur le Président, je voudrais vous rappeler que ce n'est pas la première fois que le Tahawera Huiratira agit ainsi. Lorsqu'il y a eu les commissions d'enquête, où seuls les groupes constitués pouvaient être représentés, nous avons à plusieurs reprises offert des sièges aux non-inscrits. À vous-même, Monsieur le Président, mais à d'autres aussi, je ne veux pas venir sur les détails, mais nous avons eu pour méthode d'ouvrir à chaque fois la possibilité à certains membres de cette Assemblée de pouvoir s'exprimer. Donc, je suis surpris aujourd'hui que le groupe UBLD, qui prend la liberté de la parole, qui prend des tas de libertés, la démocratie, aujourd'hui est consterné que M. Hirote Farere puisse être à la commission permanente pour pouvoir s'exprimer au nom des non-inscrits. Parce que c'est bien le rôle que nous voyons donner à M. Hirote Farere. C'est tout ce que je voulais apporter comme précision, M. le Président, pour rester au règlement intérieur. Merci. Merci, M. Fritz. M. Géros. Merci, Monsieur le Président. Ce que je souhaiterais soulever dans le cadre de mon intervention, c'est uniquement le fait que la proposition qui nous est présentée en ce moment nous oblige à réécrire le règlement intérieur, notamment en ce qui concerne la désignation des membres de la commission permanente. Dans la mesure où l'article 127 de la loi organique précise que l'Assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission permanente à la représentation proportionnelle des groupes, nous sommes donc obligés de compter dans le groupe Tahawera M. Hirote Farere. Je suis désolé, c'est pour ça que je dis nous sommes sur deux interprétations différentes. Et dans la mesure où nous allons voter aujourd'hui et respecter la proportionnalité, nous sommes en train de réécrire le règlement intérieur et notamment la disposition qui prévoit en matière
de composition de la commission permanente. Avons-nous le droit de le faire? Avons-nous le droit de le faire? Je pose la question à tous les élus responsables que nous sommes et matures que nous sommes. Avons-nous le droit d'interpréter à notre façon un règlement qui jusqu'ici n'a jamais dérogé, n'a jamais été dévoyé dans son application jusqu'à aujourd'hui? Le cas d'espèce ne s'est jamais posé depuis la mise en place de la commission permanente dans cette Assemblée jusqu'à la date de ce jour. Pourquoi aujourd'hui vous vous permettez de nous proposer une autre interprétation? Nous avons mis en place ce règlement intérieur pendant 5 jours. Nous nous sommes longuement entretenus sur les dispositions prévalant à la mise en place de la commission permanente. Nous sommes arrivés à un consensus. Nous avons adopté notre règlement intérieur. Lisez les débats. Dans les débats, nous avons bien prévu que ne pouvaient participer à la composition de la commission permanente que les membres d'un groupe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si présomption d'illégalité il y a, on risque un contentieux qui va aboutir à l'invalidation de l'élection que nous allons faire maintenant. C'est pour ça qu'au niveau de l'UPLD, nous avons voulu soulever, avant l'ouverture du scrutin, cette exception d'illégalité pour éviter que demain, nous ayons à nous justifier. Donc, dans ce cas d'espèce, si éventuellement il y a recours, on acceptera l'invalidation de l'élection de M. Hirote Farere, mais la validation du reste de la liste. Maroul. Bien. Merci, M. Géros. M. Buissou. Merci, M. le Président. C'est vraiment un débat qui n'a aucun sens. Aucun sens. Et c'est un... J'en remarque aujourd'hui qu'à l'UPLD, on aime bien les débats juridiques. Et imaginons, par exemple, que nous ayons dans notre Assemblée une 20aine de non-inscrits. Imaginons que nous ayons dans notre Assemblée une 20aine de non-inscrits. C'est tout à fait possible. Bien. Alors, vous pensez que une 20aine de non-inscrits ne pourraient pas siéger au sein de la commission permanente? Donc, je dirais que si on raisonne par l'absurde, le raisonnement de notre ancien président de l'Assemblée est aussi absurde. Pour dire également à l'UPLD, vous n'avez pas de leçon à nous donner en matière de tractation. La tractation, c'est là-bas, c'est au gouvernement. Les achats d'élus, c'est au gouvernement. On a eu une démonstration hier qui était claire. Vous avez acheté des élus de l'Assemblée pour en faire des ministres. Alors, en matière de tractation, vous gardez vos leçons pour vous. Monsieur le Président, merci bien. Merci, Monsieur Buissou. Madame Tamara Bob-Dupont. Merci, Président. Je voudrais répondre à Monsieur Buissou d'abord pour dire... Ne me répondez pas, c'est pas la peine. Répondez au Président. Je voudrais lui dire, lorsque vous avez fait des tractations avec les élus, les Iliens, comment tu appelles ça? C'est pas des tractations? Quelle preuve vous avez? Point. Quelle preuve vous avez? Quelle preuve vous avez? Deuxièmement, Président. Moi j'ai des preuves, tout le monde a vu. Qu'est-ce que vous avez comme preuve, vous? Qu'est-ce que vous avez comme preuve, Madame? S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait revenir au sujet, s'il vous plaît? Oui. Madame Tamara Bob-Dupont, poursuivez, s'il vous plaît. Voilà. Alors, mon point de vue concernant les listes que nous venons de recevoir, moi je dis que c'est du travail inutile. C'est encore une manœuvre du Tahouéra pour pouvoir introduire M. Hirote Farere. Je n'ai rien contre Hirote Farere, mais... Allez-y, continuez. Mais nous, au TAO, à l'UPLD, nous suivons les règlements. Nous suivons les règlements. Voilà un point bien précis. Deuxièmement, je voudrais répondre à Monsieur Frisch, qui a l'air de tout connaître, que nous n'avions pas le droit de mettre les non-inscrits en commission d'enquête. Je vais vous lire. Commission d'enquête. Partie 2. Les commissions sont composées de 9 à 13 membres désignés à la représentation proportionnelle des groupes politiques constitués à l'Assemblée. Celles-ci peuvent cependant décider d'y faire siéger des représentants non inscrits. Voilà. Monsieur,
Mais toi qui as l'air de tout connaître. Pourquoi l'UPLD n'a pas offert des sièges pour Nestlé? Non, toi qui as l'air de tout connaître. Pourquoi vous n'avez pas fait? Monsieur Brion. Je voudrais continuer dans la démonstration que M. Anthony Géros vient de faire. J'ai bien compris que M. Fritsch, dans sa proposition, introduisait la dimension du panachage dans la composition en utilisant... Ne vous excitez pas, M. Fritsch, c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé. Laissez-moi finir. Quand vous parlez, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Vous êtes un vrai chadoc, vous pompez de l'air. Alors ça me fatigue énormément, ça m'énerve. Une charlotte? Ça m'énerve. Monsieur le Président, je prends la responsabilité de ma proposition. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez la liste du Tahoeira Huidatira au tribunal, j'en prends la responsabilité. Pour nous, il est indispensable qu'un non-inscrit soit à la commission permanente. Je vous demande de faire voter. Monsieur le Président, Monsieur Fritsch n'a pas la parole. Il s'introduit comme étant le président, coupe la parole au représentant et se met sous la table. Laissez-moi finir, Monsieur Fritsch. Respirez un bon coup, vous verrez que ça fait du bien. Je reviens à ma démonstration, Monsieur le Président. Nous avons parfaitement compris que dans la liste qui nous est proposée, le Tahoeira introduit une nouvelle dimension qui n'existe pas dans le règlement, à savoir, on peut panacher la composition d'un groupe. La seconde chose, si aujourd'hui, effectivement, il y a eu une opération de constituer un groupe de non-inscrits devenus terriblement occupés et qui a subitement perdu je ne sais pas de quoi par évaporation et qui aujourd'hui n'est plus représentatif en tant que groupe. Nous n'y sommes absolument pour rien. Posez donc la question à ceux qui ont été à l'origine de cette opération. Lorsqu'on n'a que 100 voix, je crois qu'on s'écrase, M. Brion. Hein? Bien. Lorsqu'on se fait lire sur la liste du Tahoeira, on ne trahit pas le Tahoeira, on reste au Tahoeira. Monsieur Brion, ne vous fâchez pas, c'est inutile, vous allez vous rendre malade. C'est dérangeant de rappeler que vous avez trahi le Tahoeira. Demandez, posez la question à Fritsch, qui rigole. Lorsque vous aurez au moins 100 voix, Monsieur Bissou, s'il vous plaît. Monsieur Fritsch, vous voulez prendre la parole? Non, ça y est, c'est terminé, là. Madame Merceron, qui s'est impatientée depuis tout à l'heure. Oui, Monsieur le Président, je sens que vous allez avoir le même travers que le Président Géros. C'est que vous ne regardez jamais à gauche. Et moi, malheureuse que je suis à l'extrémité. Donc, je vous remercie de me donner la parole. Je crois qu'il y a des différences d'interprétation d'un texte. Pourquoi ne pas tout simplement procéder au vote? Il y a des bulletins qui ont été préparés, nous avons préparé nos enveloppes, et puis après, si certains considèrent que la liste qui a été élue n'est pas la bonne, qu'ils fassent recours, mais au moins nous aurons une liste, et nous aurons au moins... la présence de différentes composantes de l'Assemblée. Et je crois que nous avons la liberté d'introduire une personne qui n'appartient pas à notre groupe, puisque, je répète, nous gardons et nous ne changeons pas du tout la proportion, et c'est, il me semble, ça l'essentiel, il faut revenir à l'essentiel, là, il est bien dit que c'est proportionnel, et la proportionnelle donne 12 à l'UPLD et 9 place pour le Tahoeira. Nous pouvons disposer de la 9e comme nous voulons et vous aurez votre majorité. Bien, merci Madame Merceron. Rassurez-vous, hein, je vous aime bien, même si mon œil gauche a du mal à regarder de ce côté-là, mais rassurez-vous. Alors, je vous propose de passer la parole à M. Sandras et M. Hiroti Farede, et puis après nous allons passer au vote. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Depuis tout à l'heure, toutes les interventions se font sur la lettre du texte, chacun en essayant d'y apporter sa propre interprétation. Monsieur Géros, d'ailleurs, a reconnu qu'il pouvait y avoir plusieurs interprétations. Mais on ne parle pas de l'esprit.
il y a la lettre et l'esprit. Depuis ce matin et jusqu'à maintenant, nous sommes là parce que l'UPLD ne donne pas le droit au Tahoeira de mettre M. Tefarere sur sa liste. C'est notre problème. Et s'ils ne sont pas d'accord, ils vont au tribunal. Ce que je voudrais dire, c'est que nous donnons une très mauvaise image pitoyable de la classe politique. Nous sommes 57 représentants ici. Ça a commencé la semaine dernière par le bureau. Nous avions demandé une répartition équitable. Nous avons eu en face de nous des gens qui nous ont dit « pas question ». Je caricature, mais c'est presque ça. Nous prenons tout pour nous. Aujourd'hui, ils nous refusent la possibilité de mettre M. Tefarere sur notre liste. Mais il faut que tout le monde sache que tout à l'heure, dans toutes les commissions, ils ont déjà décidé de ne rien donner au Tahoeira Wiratira. Rien donner. Mais ça, il faut le savoir. C'est vrai que la lettre leur permet, mais l'esprit, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est que l'UPLD fait preuve d'un très mauvais esprit depuis le début. Merci. Merci, Monsieur Sandras. Monsieur Hiro Tefarere. Président Yoran Abay. Mesdames, Messieurs, Yoran Afar, imitapon, terrofa. Moi, je n'ai pas trahi, j'ai démissionné et j'ai rendu public les raisons de ma démission. Tant du gouvernement que du Tamini Huiradira. Les choses sont claires. Aujourd'hui, comme l'a si bien expliqué M. Bruno Sandras, il y a la lettre et l'esprit. Mais vous avez oublié tout ce qui s'est passé pendant les travaux préparatoires de ce règlement intérieur. Souvenez-vous, mesdames et messieurs les élus des îles du Vent, comment vous aviez tout fait pour ne pas respecter les accords et la parole quant à la prise en charge des billets d'avion des non-membres des commissions originaires des îles. Il y avait eu un accord au départ entre tout le monde. Et c'est votre obstination qui a fait que cet accord n'a pas été respecté dans la lettre. C'est celui qui était à l'origine de ce travail qui vous parle, les uns les autres. Lorsque j'entends parler de transaction, celui qui a utilisé ce terme, est-ce qu'il connaît exactement la signification de ce mot? Transaction, ça veut dire qu'il y a eu avance financière. Peut-il apporter la preuve de ce qu'il avance? Celui qui a parlé, peut-il apporter la preuve de ce qu'il avance? Moi, en ce qui me concerne, j'ai en ma possession trois lettres. Une lettre du 15 avril, une lettre du 18 avril et une lettre du 19 avril émanant de M. Dauphin Domingo. J'aurais souhaité qu'il soit là, dans laquelle il parle de sa démission de l'UPLD. Alors, je ne sais pas, c'est entre qui que la transaction a eu lieu. Voilà ce qu'il dit. Monsieur le Président, c'est adressé à M. Oscar Manout Heite Marou, c'est la lettre du 19 avril 2006. Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner du groupe de l'UPLD à l'Assemblée. C'est après mûre réflexion que j'ai pris cette décision dont je mesure l'importance. En conscience, je ne puis plus souscrire aux errements constatés à la tête de notre pays, ainsi qu'à l'incurie par laquelle se traduit la volonté de changement exprimée par la population, etc., etc. J'ai les preuves de ce que j'avance. Aujourd'hui, je constate que le fait que mon nom ait été proposé en ma qualité de non-inscrit par le Tahoeira Wiratira dérange les collègues de l'UPLD. Si vous êtes les uns les autres soucieux de l'intérêt général, pourquoi voulez-vous vous priver de la réflexion d'un modeste élu des îles sous le vent, tête de liste du mouvement démocratique des îles sous le vent? C'est ça votre conception de l'intérêt général, de la démocratie? Monsieur le Président, j'ai retenu votre magnifique discours lorsque vous aviez été élu. J'ai fait partie des gens qui ont voté pour vous, parce que je sais que vous êtes un homme de parole, vous connaissant. Aujourd'hui, je crois que l'épisode est clos au niveau des interventions des uns et des autres. Passons maintenant au vote.
Et on verra. S'il y a quelqu'un qui veut porter cette affaire devant les instances juridiques compétentes, qu'il le fasse. Point final. Et on assumera. C'est tout. Je vous remercie. Bien. Merci, M. Guido Tefarere. Alors, si vous le permettez, avant de procéder au vote, je vais simplement vous faire part un petit peu de mon analyse. C'est vrai que nous avons pris énormément de temps depuis cette fin de matinée jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps pour essayer de trouver un consensus. Bon, vous avez les uns et les autres mis le doigt sur les raisons qui ont fait que nous ne sommes pas malheureusement arrivés à un consensus. Il est certain, et certains l'ont dit tout à l'heure, que le règlement intérieur pose quelques difficultés d'interprétation. Certains ont parlé de plusieurs interprétations possibles. Et effectivement, nous sommes arrivés, malheureusement, dans mon bureau, à au moins deux interprétations différentes. Mais ce que je retiendrai, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est que nous sommes des démocrates et que la meilleure façon, au moins pour aujourd'hui, de régler ce problème, c'est de passer au vote. Ensuite, si recours il y aura, nous assumerons les uns et les autres nos responsabilités. Donc je vous propose que nous passions au vote. Je vous propose également que ce vote se fasse à main levée, comme le prévoit l'article 47 du règlement intérieur, si l'Assemblée n'y voit pas d'inconvénient. Pas d'inconvénient ? Je vous remercie. Alors, ceux qui sont pour la liste constituée par l'UPLD. Trente voix pour. Ceux qui sont pour la liste constituée par le Tahuera Huratira. 25 voix pour. Ceux qui s'abstiennent. 2 abstentions. Donc, la liste constituée par l'UPLD obtient 30 voix. 30 voix pour, alors que la liste constituée par le Tahuera Huratira obtient 25 voix pour et 2 abstentions. Alors, la répartition proportionnelle donne donc le nombre de sièges suivants. Pour l'UPLD, 12 sièges et pour le Tahuera Huratira, 9 sièges. En conséquence, sont élus membres de la commission permanente. Madame Véronique Moeveil Hameau, Monsieur Anthony Géros, Mademoiselle Sabrina Birk, Madame Juliana Matti, Madame Amaron Nayater Ipaya, Monsieur Jackie Brion, Monsieur Myron Mataoua, Monsieur André Piatin, Monsieur Roberto Teritehou, Madame Linda Taharagi, Monsieur Ruben Keremate, Madame Tamara Bob Dupont, Madame Pascal Haïti, Madame Teura Iriti, Monsieur René Kohumoetini, Madame Armel Merceron, Monsieur Thomas Moutam, Madame Sylviane Teroatea, Madame Lana Tetuanui, Monsieur Noah Tetuanui et Monsieur Hirohiti Tefarere. La séance est donc suspendue pour permettre aux membres de la commission permanente de procéder à l'élection du président, du vice-président et du secrétaire. J'invite donc les membres de la commission permanente à se rendre dans la salle des commissions. Je vous remercie. Chers collègues, la séance est reprise. Je vais donc vous donner lecture de la composition de la commission permanente de l'Assemblée. Madame Véronique Moeveil Hameau en est la présidente. Mademoiselle Sabrina Birk, la vice-présidente. Madame Juliana Matti, la secrétaire. Je cite également. Et les autres membres sont Madame Amaron Naya Teripaya, Monsieur Jackie Brion, Monsieur Myron Mataoua, Monsieur André Pihatin,
M. Roberto Teritehau, Mme Linda Taharagi, M. Ruben Teremate, Mme Tamara Bob-Dupont, Mme Pascal Haïti, Mme Teura Iriti, M. René Kohumoetini, Mme Armel Merceran, M. Thomas Moutam, Mme Siliane Teroatea, Mme Lana Tetuanui, M. Noah Tetuanui, M. Hirohiti Tefarere et M. Anthony. Explication de vote, Mme Merceran. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, la procédure a été telle que nous l'avions proposée, mais je voudrais surtout en profiter pour féliciter Mme Véronique Hamot. Dire à Mme Hirschhorn, mais apparemment elle n'est pas là, je ne sais pas pourquoi, qu'elle avait rempli son rôle correctement pendant cette année, donc nous la remercions. Et puis, je voudrais demander si, pour Mme Hamot, qui n'a pas l'air très heureuse en réalité d'être présidente de la commission permanente, si c'est une promotion ou une transaction. Merci, Mme Merceran, de ces remerciements et de ces félicitations. Mme Bob-Dupont, explication de vote. Monsieur le Président, je voudrais dire que nous avons mis Mme Hamot à cette place avec le consensus de tout le monde, de tout l'UPLD. Il n'y a pas eu de transaction, Mme Armel Messuron, parce que ce n'est pas l'habitude de l'UPLD. C'est votre... Ne prenez pas vos habitudes pour nos habitudes. Non, on ne mange pas de ce pain-là. Nous sommes des gens honnêtes. Voilà. Merci, Mme Tamara Bob-Dupont. Action, réaction, si je comprends bien. Monsieur René Kohumoetini, explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais justement vous faire part un peu de l'illégalité de ce vote en commission des membres qui viennent d'être élus. Et il n'y avait qu'un seul candidat quand nous nous trouvions en salle. J'ai dit, mais je ne peux pas voter parce qu'il y en a un seul candidat. Je voulais proposer ma candidature et là, Mme Bob-Dupont a arrêté pour un seul candidat. Alors, c'est pour ça que je me dis, il n'y a pas eu de consensus. Et entre-temps, je faisais la tractation et demandais à Myron et à Sabrina Burke de voter pour moi. Ils n'ont même pas laissé le temps pour que je puisse être candidat. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Kohumoetini. Je dirais que c'est le charme qui l'a emporté. Monsieur Briand, explication de vote. Oui, Monsieur le Président. Je voudrais répondre à Mme Merceran en lui disant que la transaction s'est limitée à un bonbon. Je voudrais faire un gros plan. Si les caméras peuvent faire un gros plan sur le bonbon que René Kohumoetini. René, il faut le reconnaître, dans le cadre de la présentation de sa candidature, a proposé un bonbon à Mme Sabrina Burke. Bien, Monsieur Briand, je vous remercie. Madame Moevey, Madame la Présidente de la Commission permanente. Monsieur le Président, merci. Chers collègues, représentants de l'Assemblée de Polynésie, bonjour. Chers publics ici présents et de par le monde, bonjour et Yaorana. Non, il ne s'agit pas d'une explication de vote, mais seulement mon désir de vous partager ce que j'ai. Non, Mme Armel Messeron, ça n'a pas été une promotion ni une transaction. Ça a été un désir réel de ma part, tout d'abord, de bien vouloir siéger au sein de la commission permanente comme président de la commission permanente. Chose qui a été acceptée de par mes pairs et que je remercie réellement. Je voudrais maintenant tout d'abord remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont bien voulu apporter leur suffrage sur ma candidature au poste de président de la commission permanente. Je mesure la
déception peut-être, ou la surprise des uns, mais aussi la satisfaction des autres, la mienne entre autres. Aussi, j'essaierai, avec votre aimable collaboration, de mener les futurs débats au sein de cette commission avec équité, dans un esprit de tolérance et de paix surtout. La commission permanente, souvent considérée comme une chambre d'enregistrement des comptes financiers de nos établissements publics, engrange parfois de grands projets de loi les plus délicats et les plus débattus. J'assumerai cette noble charge avec fierté en suscitant des discussions, des confrontations, des argumentations afin que la lumière jaillisse pour une meilleure compréhension de nos textes. Et enfin, Monsieur le Président et chers collègues, pour terminer mon intervention, j'aimerais aussi vous dire que je ferai tout mon possible pour respecter ce que le poète Kipling disait. Si tu peux rester digne en étant populaire, au besoin, s'il vous plaît, rappelez-le-moi, mais dans le calme et la paix de notre beau pays. Je vous remercie de votre attention. Maruru et Apaïtoïtoïnamne. Merci, Madame la Présidente de la Commission permanente. Sur cette citation, je vous propose de poursuivre notre ordre du jour. Je demande donc au secrétaire général de donner lecture des dispositions relatives à l'élection des commissions législatives de l'Assemblée. Merci. Monsieur le Président, l'article 58 du règlement intérieur prévoit qu'au cours de la session de plein droit pendant laquelle elle a été procédée à l'élection du bureau, l'Assemblée élit en son sein 9 commissions législatives composées chacune de 9 membres. Lorsque cette élection n'a pas eu lieu pendant la période considérée, elle pourrait être effectuée au cours d'une session extraordinaire. Chaque représentant doit être membre d'au moins une commission législative. Pour chaque commission législative, l'Assemblée se prononce sur une liste comprenant le nom du président, du vice-président et du secrétaire, ainsi que le nom des 6 autres membres. La liste résulte d'un accord entre les groupes politiques. Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas d'accord, l'Assemblée fixe elle-même à la majorité absolue des membres présents ou représentés la composition de chaque commission en respectant autant que possible la représentation politique de l'Assemblée. L'Assemblée se prononce sur chaque liste par pour ou contre, selon les modalités définies par les articles 41 et 44 du présent règlement. Enfin, l'article 60, alinéa 1 du règlement intérieur, prévoit que pour le renouvellement des commissions législatives, elles le sont chaque année ou plus tard au cours de la séance qui suit celle où il a été procédé au renouvellement du bureau de l'Assemblée. Voilà, Monsieur le Président. Bien, merci. Je demande donc aux 2 présidents de groupe de se rendre dans mon bureau pour que l'on puisse se concerter sur la composition définitive des commissions. Monsieur Fritsch, vous vouliez faire une intervention? Oui, Monsieur le Président, pour ne pas perdre de temps, le groupe Tahoeira Huiratira vous a fait parvenir donc les candidats aux différentes commissions intérieures de l'Assemblée. Nous avons eu l'occasion de discuter ensemble, puisque le Tahoeira Huiratira se propose aussi de participer plus activement aux travaux des commissions. Je vous ai demandé, Monsieur le Président, que le Tahoeira Huiratira puisse présider au moins 2 commissions, 2 ou 3 commissions. Est-ce que l'on peut avoir une réponse maintenant, car il est important que nous puissions éventuellement modifier nos listes si le cas était possible. Alors je voudrais en particulier demander à mon collègue du groupe UPLD si cette demande pouvait aboutir ou pas. Merci. Merci. Merci, Monsieur Fritsch. Monsieur Bissou. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, c'est un peu dans cet esprit-là que je souhaitais intervenir et rappeler le discours d'ouverture du président du pays au moment de son investiture et le souhait qu'il avait d'avoir toutes les forces politiques représentées à l'Assemblée qui puissent aussi participer, non seulement dans des mots, mais aussi
par l'occupation de fonctions, notamment à la présidence de commission. Je vous le fais remarquer, d'autant plus que, vous savez, on a l'impression que le nombre de non-inscrits augmente. Et nous n'avons pas de groupe constitué pour les raisons que vous connaissez. Je ne reviendrai pas là-dessus. Et nous n'avons pas de bureau non plus, d'ailleurs, puisque nous ne sommes pas un groupe. Nous n'avons absolument aucun lieu pour tenir des réunions ou pour recevoir le public. Et donc, je me tourne vers la majorité actuelle pour demander si le discours d'ouverture est un discours qui tient la route, ou alors est-ce qu'on est toujours dans le discours démagogue que l'on connaît de l'UPLD, d'exclusion, de sectarisme. Donc, vous êtes un peu au pied du mur, là, maintenant. Est-ce que vous allez faire preuve d'ouverture ou alors de fermeture? Et si, toutefois, le discours du président du Tarawera a été entendu, je crois que, en ce qui concerne les non-inscrits, on serait content également d'avoir une présidence de commission. Monsieur le Président, merci. Merci, Monsieur Vissou. Madame Tamara Bob-Dupont. Merci, Président. Je ne vais pas répondre aux demandes de commission, de présidence de commission. Ça, on a bien entendu, ils demandent les présidences. Le Tawera demande deux présidences de commission et M. Bouissou demande une présidence. Je ne vais pas répondre. Ça, c'est le groupe qui décide. Je voudrais simplement rappeler, par rapport à ce que M. Sondras a dit tout à l'heure, il sait déjà qu'ils n'auront rien. Alors, je ne comprends pas pourquoi M. Fritsch demande deux présidences. Je vais vous rappeler l'histoire du Tavenihu Irakira lorsque nous avons siégé ici. Depuis, moi, je suis à l'Assemblée depuis 1996. Vous savez qu'est-ce qu'on a reçu, monsieur le Président, monsieur Schill? Des cacahuètes. Nous avons eu des cacahuètes. Et le Taoui, c'est quoi le Taoui? C'est quoi le Taoui alors? Nous avons demandé si on pouvait avoir, en tant qu'élu, au même titre que si on pouvait avoir au moins une commission, si on pouvait avoir un bureau. Vous savez qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Les premières années, rien du tout. Deuxième année, grâce à Mme Lucette Taïro. Et pourtant, ce n'est pas ma copine, hein? Maintenant, on est devenu copine parce qu'on est de la même île et qu'on commence à se parler. Et qu'on commence à se parler. C'est une avancée, je remercie Mme Lucette Taïro. Grâce à elle, nous avons eu un bureau, je ne me rappelle plus les dimensions, peut-être 4 mètres sur 5 mètres, pour 11 élus. 11 élus! Alors, faites le calcul, un élu a droit à combien de centimètres carrés? Vous voyez comment ils étaient avec nous? Rien du tout. Je remercie Mme Lucette Taïro de nous avoir, d'avoir pensé de nous donner au moins un petit bureau et un véhicule. Mais pendant des années, ben, nous avons souffert. Hein? Alors, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Bien, merci Mme Bob-Dupont. Mme Merceron, dernière intervention. Merci Monsieur le Président. Eh bien, je voudrais aussi faire un peu des calculs et vous dire que si vous ne nous donnez aucune présidence, sachant que les locaux sont effectivement en grande partie liés à la présidence de commission, eh bien, ça va être pire pour nous parce que nous aurons, si du moins on nous garde ce que le président Giros nous avait donné, deux bureaux de chacun 16 mètres carrés, donc faites le calcul, 32 mètres carrés pour 21 personnes. Eh bien, c'est pas mieux que vous, et ça c'est même pire, donc il n'y a aucun taoui dans l'affaire. Bien, merci Madame Merceron. Alors, juste une petite remarque, si vous le permettez, et je souhaiterais néanmoins rencontrer les deux présidents de groupe après la suspension de séance que je vais prononcer, parce qu'il y a également le problème des non-inscrits qu'il va falloir régler ensemble, puisque les demandes sont importantes, et malheureusement, je vois que les disponibilités ne correspondent pas à ces demandes. Donc, il va falloir qu'on se voit. Concernant les droits des groupes, je tiens à dire que ces droits seront respectés au niveau
des moyens en termes de local, je vous garantis que pour ma part, je ferai le maximum pour que ces moyens soient attribués, bien évidemment, dans le respect du rapport de force, indépendamment, bien évidemment, des commissions. Il est tout à fait normal que les élus que vous êtes, les élus que nous sommes, ayant les moyens de pouvoir faire le travail. Bon, maintenant, c'est vrai que les locaux sont ce qu'ils sont. Hein, vous connaissez parfaitement le dimensionnement et la superficie occupée par l'Assemblée, mais comptez sur moi pour faire en sorte que vos droits soient respectés. Donc, je souhaiterais rencontrer les deux présidents de groupe pour qu'on puisse ensemble au moins régler le problème des non-inscrits. Donc, je suspends la séance. Rapidement, monsieur le président, s'il vous plaît. Président. Je voudrais humblement demander au président du groupe UPLD s'il consente à donner une présidence ou deux présidences au groupe non inscrit et au Tahuera Huiratira. Sinon, monsieur le président, je ne vous cache pas, notre intention ce serait de partir parce qu'on n'a plus rien à faire ici. Je vous ai transmis notre liste. Je vous ai transmis notre liste. Nous nous sommes préparés. Nous avons travaillé sur ces listes. Vous avez de quoi travailler. Mais si c'est pour nous exclure, comme vous le faites, comme la majorité l'a fait depuis le début, je ne vois pas qu'est-ce que l'on fait là et qu'est-ce qu'on continuerait à faire là. Monsieur Mataoua, merci. Maruru, président, depuis tout à l'heure, j'ai levé ma main pour essayer de rentrer dans le débat, mais enfin, je vous demanderai également de regarder de votre côté de droite. Hein. Depuis tout à l'heure, je levé, mais enfin, voilà. Je ne veux pas rentrer dans quoi que ce soit dans les remarques que nous avons entendues tout à l'heure, mais M. Fritsch connaît notre position. Alors, je ne vais pas y revenir par-dessus. Vous êtes également, on vous a dit ça tout à l'heure, on s'est réunis, nous avons dit ce que nous pensons, passons au vote. C'est tout ce que je vous dis. Mais dans ces conditions, nous partons, M. le Président. Ce n'est pas possible qu'un groupe à 21 n'ait rien pour travailler, Monsieur le Président. Ils sont 30 aujourd'hui, il y a 10 représentants supplémentaires chez eux, ils auront 10 commissions à eux seuls. Les non-inscrits et nous-mêmes, nous ne disposons de rien pour travailler. Alors, ce n'est pas la peine. Nous partons. Monsieur Bissou. Monsieur le Président, Est-ce qu'il faut comprendre de l'intervention du président du groupe UPLD qu'il ne souhaite pas donc cette ouverture, il ne souhaite pas attribuer de présidence à l'opposition, et nous sommes bien dans ce contexte de fermeture totale, auquel cas, en ce qui nous concerne, on ne voit pas trop pourquoi on perdrait notre temps ici, donc nous allons décider nous aussi de quitter cette salle. Monsieur Briand. Oui, Monsieur le Président, on a compris dans quelle stratégie de menace le fonctionnement de notre institution était sous la coupe de l'opposition. Il faut rappeler à ceux qui nous suivent et qui nous écoutent que toutes les commissions sont composées de 9 membres à représentation proportionnelle, ce qui signifie 5 pour la majorité et 4 pour l'opposition. Il faut arrêter et il faut tordre le cou à ce discours qui essaye petit à petit de faire enfoncer dans la tête des gens que vous ne pourrez pas participer aux travaux des commissions au seul fait que vous ne soyez pas président. Par contre, Monsieur le Président, ce point est important parce que l'argumentaire que nous avons entendu depuis le début de cette discussion repose sur le fait, et à juste titre, que les groupes ne disposent pas de lieux de travail. Or, un président de groupe a ce moyen à sa disposition. Il ne s'agit donc pas pour le groupe Tahuera et l'opposition de travailler en titre de président, mais tout simplement de disposer de locaux pour que vous puissiez assumer pleinement vos charges et vos responsabilités à ce titre-là. Donc n'essayez pas de mélanger et de faire croire que vous êtes exclu. Vous vous excluez tout seul parce que vous estimez que, utilisant la menace, après avoir utilisé la menace, vous espérez, au travers de cette opération, laisser entendre que vous êtes exclu, ce qui est complètement faux, et nous nous portons
complètement à l'encontre de ce raisonnement qui est maintenu depuis le début. Néanmoins, Monsieur le Président, nous soutenons, et vous l'avez encore explicitement déclaré, que le besoin d'avoir des locaux pour les représentants et les groupes sont une nécessité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est associé directement au président de groupe. Mais c'est un fait. Et je voudrais là-dessus spolier une expression que vous aviez si bien utilisée pendant nos travaux sur les recommandations et les observations de la Chambre territoriale des comptes. L'expression m'est restée, les faits sont têtus. Et vous êtes têtu aussi. Monsieur Géros, vous vouliez intervenir? Madame Bouteau. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous ou bonsoir à tous. Pour ma part, je ne suis pas spécialement demandeuse de quoi que ce soit, pas de présidence de commission. Je vous ai fait part de mes souhaits par rapport à une commission pour pouvoir en être membre, tout simplement. Par contre, je regrette une chose, et c'est un message à l'UPLD. Je crois que dans le cadre de tous les événements qu'il y a eu ces derniers jours et ces dernières semaines, par rapport, je dirais, tout simplement au fonctionnement démocratique aussi de notre Assemblée, vous auriez quand même pu faire un geste pour confier à l'opposition une, voire deux commissions. Je trouve que c'est dommage, parce que ça ne va pas apaiser, je dirais, le climat au sein de notre Assemblée, et je trouve que c'est vraiment regrettable. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci. Madame Bouteau, merci. Monsieur Temauri Foster. Merci, Monsieur le Président. Il est vrai que dans le cadre des renouvellements des commissions législatives et de l'élection de notre président de l'Assemblée, un débat de ce que nous venons de vivre est fait partie du jeu. Là où simplement je m'interroge, et c'est malheureusement le problème, j'aurai certainement pas une réponse. Je disais simplement que si leur manœuvre avait fonctionné, est-ce que ceux-là qui sont partis nous auraient fait des faveurs? J'aimais sincèrement un point d'interrogation. Je ne suis pas convaincu qu'ils nous auraient fait cadeau. Pas du tout. Et là, j'en suis presque sûr qu'ils auraient réagi peut-être plus négativement que que la position que nous adoptons en ce moment. Donc, cela est facile, bien sûr, puisqu'ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas abouti, de nous faire porter toutes les misères qu'ils peuvent imaginer. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que nous allons respecter la position que l'UPLD a prise par rapport à la situation concernant les commissions législatives. Merci, Monsieur le Président. Bien. Monsieur Poster, merci. Monsieur Géros. Voilà, merci. Je veux seulement bien compléter et préciser les propos de Monsieur Poster pour que tout le monde comprenne bien que l'UPLD a vécu depuis les événements de jeudi qui ont prévalu au renouvellement du président de l'Assemblée dans un stress épuisant, dans la mesure où l'expectative d'un dépôt d'une motion de censure circulait dans la rumeur publique et dans l'opinion. Cette motion de censure devait être déposée demain. Donc aujourd'hui, vous comprenez que l'UPLD ne fait que rendre le change. L'UPLD a procédé à une stratégie d'anticipation pour justement contrecarrer cette stratégie apocalyptique pour nous. Et aujourd'hui, ceux qui ont été à l'origine de cette manœuvre sont en train de payer. C'est pour ça que c'est malgré nous que l'ouverture n'a pas pu être obtenue de la part du groupe, alors même que certains du groupe ont essayé de défendre cette ouverture. Mais encore une fois, je précise, comme l'a dit M. Briand,
que l'ouverture existe déjà de par les textes. La présence dans les commissions est imposée proportionnellement à la représentation des groupes et en plus avec l'obligation d'avoir à y faire participer au moins tous les représentants dans au moins une commission. Résultat des courses, effectivement, vous avez raison, Monsieur le Président de l'Assemblée, il faut revoir les listes si les noms inscrits n'y figurent pas. Donc c'est pour vous dire encore une fois que nous n'avons pas été formellement contre, mais jusqu'ici, le groupe vit toujours dans cette impression d'insatisfaction et de frustration par rapport à cette stratégie qu'a fomentée le Tahouera à l'encontre de l'ancienne majorité qui est aujourd'hui la majorité renforcée. Marourou. Merci, M. Gérost. M. Tefarué. Merci, M. le Président. Nous vous avons fait part, M. Bernodon et moi-même, notre volonté également d'être dans certaines commissions législatives. Et donc, nous sommes dans l'attente de la décision que prendra l'UPLD, que prendront l'UPLD et vous-même. S'il y a un élu qui, l'an dernier, peut témoigner qu'il n'a été membre d'aucune commission, c'est moi. Ça, c'est les faits. Ils sont têtus. Les faits sont têtus. C'était ce petit rappel que je souhaitais faire. M. Bernodon et moi-même, vous connaissez nos propositions. On compte sur vous pour les défendre, pour qu'effectivement nous puissions travailler pour le pays et pour tous les électeurs qui nous ont fait confiance. Nous vous remercions. Merci, M. Tefarré. Dernière intervention, M. Briand. Oui, rapidement, M. le Président. Concernant un rectificatif sur la lancée que les faits sont têtus, il y a une commission qui s'appelait la commission de la communication du patrimoine culturel, de l'artisanat, de la jeunesse et des sports, la commission à laquelle M. Tefarere était président, excusez-moi, membre. Je peux lui faire photocopie du document. Mais le débat qui est ouvert aujourd'hui pose effectivement la question pertinente par rapport à notre règlement, d'élus qui ne feraient pas partie de groupes au sein de notre hémicycle. Et ce serait peut-être l'opportunité, compte tenu de toutes les difficultés que nous sommes en train de vivre, de pouvoir permettre à ces élus de pouvoir travailler au sein de ces commissions. Notre règlement intérieur en l'état ne le permet pas. Mais est-ce que, par rapport à toutes ces interrogations et toutes ces demandes des élus, il serait peut-être dans les priorités de notre nouvelle Assemblée, d'inscrire à l'ordre du jour à ce que le règlement intérieur soit modifié pour répondre à toutes ces aspirations. Ça fait peut-être partie des dossiers sur lesquels l'ensemble de la représentation territoriale, majorité, opposition et non inscrit, pourrait s'y retrouver, non simplement en termes de représentation dans les commissions, mais aussi en termes de moyens pour qu'ils puissent travailler, accueillir, et que nous dissocions complètement les présidences des commissions avec les moyens. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui focalise le débat. Et c'est tellement focalisé, je m'excuse de me répéter là-dessus, l'opposition a sa place au sein des commissions et il est faux de laisser entendre qu'ils n'ont pas les moyens pour travailler dans le cadre des commissions. Ils y sont. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Briand. Monsieur Gérost, toute dernière intervention, s'il vous plaît. Voilà, juste pour rectifier ce que vient de dire Monsieur Briand, non. Le règlement intérieur a été rédigé de manière tout à fait consensuelle et a tenu compte du fait que tous les représentants doivent être membres au moins d'une commission législative, puisque à l'article 58, alinéa 2, le texte le précise. Chaque représentant doit être membre d'au moins une commission législative. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous aviez raison, Monsieur le Président de l'Assemblée, d'appeler les représentants de groupe pour voir qui des deux groupes va faire la faveur de diminuer sa proportion au profit des non-inscrits. Merci, M. Gérost, de cette remarque. Alors, effectivement, je vais d'ores et déjà donc proposer une suspension de séance pour que nous puissions
préparer les listes, mais je souhaiterais aussi, quand bien même un seul président de groupe est là, je souhaiterais quand même le rencontrer pour qu'on puisse aménager la composition de ces commissions en respectant aussi les droits des non-inscrits. Donc la séance est suspendue. Monsieur Guidotti Farrelly, toute dernière intervention, s'il vous plaît. Sans esprit polémique. À quoi sert-il d'être membre d'une commission si la commission en question ne va se réunir qu'une fois dans l'année, ou pas du tout? C'est ça le problème. Le problème, il est là. Donc effectivement, on doit avoir un débat entre nous sur ces imperfections du règlement intérieur pour aller dans le sens d'une meilleure participation de tous les élus que nous sommes, pour la qualité des débats et des travaux. Merci, Monsieur Girotte Farré. Décidément, vous êtes drôlement bavard. Hein? Monsieur Géros, toute dernière intervention, s'il vous plaît, puis après on va suspendre. Hein? Merci, c'est l'expérience de l'année de présidence qui m'oblige à parler comme ça, pour dire tout simplement que si cette commission ne se réunit qu'une seule fois, c'est tout simplement que son usage n'a pas été affecté aux travaux de la commission. Vous me comprenez? C'était justement l'ouverture que l'UPLD avait fait en 2005. Accorder cette commission à qui? Au Tahuer Ahuiratira. Donc c'est dans ce pervers que nous ne voulons plus tomber. Les commissions législatives, ce sont des commissions de travail. Ils ne sont pas là pour donner des moyens supplémentaires aux groupes politiques afin qu'ils mènent leur politique politicienne. Ce sont des groupes de travail et on doit respecter les moyens de la commission aux travaux de la commission et non pas aux travaux du groupe et encore moins aux travaux de la politique, du parti politique auquel fait partie le président ou la présidente de ce groupe. Je signale, pour terminer, Monsieur le Président de l'Assemblée, que la présidente de ce groupe était ni plus ni moins que Madame Teura Iriti. Paruru. Non, non, tout à fait, Monsieur le Président, tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Nécessité, d'où la nécessité de débattre, et peut-être de voir comment donner ces commissions à l'extrême à des élus qui, eux, travaillent, même s'ils sont non inscrits. Oui, et oui, Madame Persegal. Madame Bouteau, elle est là régulièrement. Je t'ai parlé, elle est là régulièrement également. Oh, oh. Hein? Je vous apporte là, je vous défie d'apporter la preuve du contraire. Bien, merci Monsieur Tefarere. La séance est suspendue. Merci. Oui. Chers collègues, la séance est reprise. Tout d'abord, nos excuses pour le retard pris. Nous allons donc pouvoir procéder à l'élection des commissions législatives. Auparavant, je voudrais vous proposer, pour gagner un petit peu de... pour gagner un petit peu de temps. Donc je disais tantôt, pour gagner un petit peu de temps, je vous propose, plutôt que de procéder à une élection commission par commission, de faire une élection globale de l'ensemble des 9 commissions législatives. Est-ce qu'on est tous d'accord sur cette manière de procéder? Il n'y a pas d'opposition? Pas d'opposition. Je vous remercie. On voit bien que vous êtes fatigué et que vous avez envie de rentrer à la maison. Bien. Alors, pour ce faire, je vais donc demander au secrétaire général de donner lecture des différentes listes qui ont été établies. Monsieur le Président, s'agissant de la Commission des Finances, nous avons reçu les candidatures de Mme Rosina Chinfo en tant que présidente, Madame Françoise Tama en tant que vice-présidente, Madame Bob Tamara Dupont en tant que secrétaire. Les autres membres sont Monsieur Ruben Terematé, Monsieur Jean-Michel Calson, Monsieur Émile Vermondon, Monsieur René Comoutini, Madame Armel Merceron, Monsieur Noati Tonoui. Deuxième commission, commission des affaires civiles, du logement, de la parité et de la protection sociale. Président, Monsieur Ruben Terematé, vice-président, Madame Auxilia Bouzi-Herarwa, secrétaire, Madame Delia Pater, membre, Madame Tamara Bob Dupont, Monsieur Fosser Temauri, Madame Emma Algon, Madame Romance Flore, Monsieur Thomas Moutam, Madame Sylvain Terroiter. Troisième commission, commission de la santé et de la médecine traditionnelle, présidente, Madame Marise Olivier,
vice-président, Mme Amaron Nayateripaya, secrétaire, Mme Juliana Mati, membre, Mme Chantal Pariata, M. André Piratin, M. Philippe Schill, Mme Romance Flore, Mme Pascal Haïti, M. Marcelin Lison. Quatrième commission, commission de l'emploi et de la fonction publique, président, M. Eugène Sommers, vice-président, Mme Linda Taharagi, secrétaire, M. Roberto Teriteu, membre, Mme Marise Olivier, Mme Juliana Mati, M. Edouard Fritsch, M. Bruno Sandras, Mme Juliette Aouatama, M. Jean-Christophe Bissou. Cinquième commission, commission de l'aménagement de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public. Président, M. Jacques Ibrion, vice-président, Mme Onoutia Hirchand, secrétaire, Mme Auxilia Bouzière-Aroua, les membres, M. Taina Maraïoura, M. André Piatin, Mme Lamate Tonoui, M. Frédéric Rivetta, Mme Lucette Aero, M. Gaston Tongson. Sixième commission, commission de l'éducation et de la recherche, président, M. Raymond Vassolaire, vice-président, Mme Delia Pater, secrétaire, Mme Véronique Mouévey-Amou, membre, Mme Onoutia Hirchon, Mme Stella Rochette, Mme Armel Merceron, Mme Eleanor Parker, Mme Lucette Tairou, Mme Sylvain Terroiter. Septième commission, commission de la communication du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse et des sports, président, M. Jean-Alain Fribourg, vice-président, M. Eugène Sommer, secrétaire, Mme Sabrine Ardir. Les membres, Michel Guy, M. Dauphin Domingo, Mme Pascal Haïti, Mme Théora Iriti, Mme Monique Richton et M. Bruno Sandras. Huitième commission, commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, président, M. Roberto Teriteu, vice-président, M. André Piatère, secrétaire, Mme Catherine Tichot-Billard, membre, M. Jacques Ibrion, Mme Daniel Persegal, M. Frédéric Rivetta, M. Howa Bairaro, Mme Emma Maraya, M. Hirohiti Tefariri. Neuvième commission, commission des institutions et des relations internationales, président, Mme Catherine Truchot-Billard, vice-président, Mme Sabrina Bic, secrétaire, M. Myron Ottawa, membre, M. Anthony Giros, M. Raymond Vambassolet, M. Gaston Floss, Mme Armel Merceron, Mme Eliane Parker et Mme Nicole Bouton. Voilà, monsieur. Bien, Mme la secrétaire générale, merci. Nous allons donc passer au vote à main levée. Ceux qui sont pour cette liste. 30 voix pour, ceux qui sont contre, 0 voix contre, ceux qui s'abstiennent, 2 abstentions. La liste de l'ensemble des membres des commissions législatives obtient donc 30 voix pour et 0 contre et 2 abstentions. Donc, sont donc élus l'ensemble des membres qui sont indiqués sur la liste qui vous a été soumise. Bien, nous allons passer maintenant au point suivant de notre ordre du jour. Il s'agit de procéder à l'élection des membres de la commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée de la Polynésie française. Conformément à l'article 66 du règlement intérieur de notre Assemblée, cette commission est composée de membres de droit, notamment du président de l'Assemblée, du président de la commission, de la présidente, pardon, de la commission permanente, de la présidente, de la commission des finances, des trois questeurs, ainsi que de 5 représentants élus à la représentation proportionnelle des groupes, selon le système de la plus forte moyenne, après présentation de la liste établie par consensus entre les groupes politiques ou alors à défaut par l'Assemblée statuant directement. Alors, suivant la règle de la représentation proportionnelle, sur les 5 sièges, 3 reviennent au groupe UPLD, 2 au groupe Tahuera Huiratira. Je demande donc au secrétaire général de donner lecture de la liste qui a été établie. Alors, Monsieur le Président, pour les membres élus à la représentation proportionnelle, nous avons reçu les candidatures de Monsieur Anthony Giros, de Madame Tamara Bob Dupont, de Madame Françoise Tama, de Monsieur René Koumoutini et de Monsieur Noah Tétonoui. Merci. Nous allons donc passer au vote de cette liste. Le vote se fera à main levée. Qui est pour ? À l'unanimité. À l'unanimité. Bien, je vous remercie. Donc, la liste donc obtient 32 voix pour, 0 voix contre. Voici donc les membres de la commission chargée de la préparation du budget. Monsieur Schill, président de l'Assemblée de Polynésie française. Madame Véronique Moeveyamo, présidente de la commission permanente.
Madame Rosina Schinfo, présidente de la Commission des Finances, Madame Daniel Persegal, premier questeur, les membres sont Monsieur Anthony Géros, Madame Tamara Bobtupan, Madame Françoise Tama, Monsieur René Kohumoetini et Monsieur Noah Tétouanou. Nous poursuivons notre ordre du jour. Alors, il avait été prévu que l'on adresse des questions orales au gouvernement. Bon, vous avez bien vu qu'il n'y a pas de gouvernement, mais rassurez-vous, il n'y avait pas non plus de questions orales. Donc, nous allons pouvoir passer au point suivant, et c'est le dernier point de l'ordre du jour. Conformément à l'article 10 du règlement intérieur, je demande à l'Assemblée d'habiliter le président à fixer lui-même, pour toute la durée de la session, les dates de réunion. Nous allons donc passer au vote. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous allons enfin passer à l'examen de la correspondance. Je demande au secrétaire général de donner connaissance du relevé de la correspondance. Alors, Monsieur le Président, tous les représentants dans leur dossier de séance, le relevé de la correspondance reçue par l'Assemblée de la Polynésie française du 28 février 2006 et arrêté le 7 avril 2006. Évidemment, une photocopie de cette correspondance peut être demandée par tout représentant au secrétaire général. Voilà, mesdames, messieurs, ça va, vous n'êtes pas dans le coma, là. Ça reste encore supportable. Bien, ben écoutez, je vous remercie toutes et tous de votre patience et puis passez une excellente soirée. Marabout. La séance est close. Merci, Monsieur le Président.